Dans cette vidéo, je vais avoir mon premier Titanic dans mon inventaire. Je vais aussi packer un huge que j'essaye d'avoir depuis deux vidéos, les gars. Et je vais également packer un des nouveaux huge de la mise à jour. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que cette vidéo va être très intéressante. De base les gars, dans cette vidéo je voulais vous offrir un huge parce que c'est une vidéo assez spéciale et assez incroyable. Mais je me suis dit que c'était pas drôle si je vous offrais le huge maintenant. Donc on va attendre les 10 000 abonnés. Et aujourd'hui je vais vous offrir ces deux pets incroyables. On a le Cosmic Axolot qui est vraiment trop beau, donc dans les nouveaux œufs les gars. Et on a le tout nouveau meilleur pets de la zone, le trou noir, que j'ai peut-être eu en Titanic, je vous spoil pas. Et du coup, le Black Hole Axolot, les gars, il vaut 2,6 millions. Et le Black Hole Angelus, il vaut 259 000 gemmes. Et pour participer, c'est très simple. Vous me dites votre pseudo Roblox et lequel des deux pets vous voulez. Bonne chance à tout le monde. Et n'oubliez pas que sans participer, on ne gagne jamais. Dans la dernière vidéo, je voulais vous faire gagner un pets de fou. Et donc aujourd'hui, on va tirer au sort le vainqueur parmi tous les commentaires. Du coup, c'est parti. On rentre l'URL de la vidéo, on fait select random comment et le vainqueur c'est Mona. Mon pseudo c'est Boy Bleu Alexis. Normalement avec tes vidéos tu dois avoir le 1 million d'abonnés Prince, je t'adore. Et bah merci beaucoup à toi. Et les gars, avant de rush le 1 million d'abonnés, on rush les 10 000 abonnés. Et je vous rappelle qu'aux 10 000 abonnés, je vous ferai gagner un huge. Du coup c'est parti pour envoyer le petit cadeau. Boys Bleu Alexis avec son joli petit avatar. On ajoute le pet qu'il a gagné, donc le petit cosmique Agony. Boum. Et on va lui marquer un joli message. GG, tu as gagné. Hop, send, envoyé. Oui, oui, je suis sûr. Tadam, cadeau envoyé. Merci énormément à tous ceux qui me font des cadeaux les gars. Regardez-moi ça, vous vous reconnaîtrez dans les commentaires. Ça m'aide énormément pour les prochaines vidéos. Alors si vous aussi vous voulez participer ou juste me faire plaisir, vous écrivez Prince END comme ceci. Bonne vidéo à tous et rush 10 000 abonnés. Bon bah les gars, je viens de récupérer mes 25 hype eggs. Le prix il a un petit peu baissé mais c'est normal. Et du coup c'est parti, on en a 40 à ouvrir les gars. Let's go. En plus l'animation elle a été réglée, elle est plus belle comme ça. Bon allez, là il faut qu'il y ait un dragon qui apparaisse les gars. Si on voit un dragon de fou qui apparaît, ce sera incroyable. Bon là les gars, j'en ai beaucoup à ouvrir hein, parce que j'en avais déjà gardé quelques-uns. Allez allez allez. Ça sera incroyable qu'on ait notre pet. Mais en vrai les gars, je pense que je l'aurai jamais, mais on sait jamais. Avec un peu de chance en vrai. Allez, allez! Frère, vas-y. Je l'aurai jamais. Il m'en reste encore 2x8, les gars. Et après, j'ai plus rien. Allez, allez. C'est pas le mien, celui-là, par contre. Imaginez, il y a un dragon, mais pas le mien. Je serais un peu triste. Et les derniers, 8 derniers, c'est parti. Je viens de perdre 100 millions de gemmes pour rien, les gars. Ouais, un ultimate pourri, ok. Ouais, non. Rip, rip, rip. Dommage, au moins j'aurais tenté. What the fuck? Les gars, attendez. Je suis obligé de lancer le rec là. Wesh. Je suis obligé de lancer le rec. Mais what the fuck? Emilien, il m'a dit qu'il a packé un huge axolot. Déjà, c'est incroyable déjà. Il a packé le huge axolot en rainbow, les gars. Et là, il me montre quoi maintenant? Le Titanic. Je vais le trade, on va voir s'il a des bouboules. Je peux te le reverse trade? En vrai, moi, à sa place, même s'il me ferait confiance, à sa place, je me le traderais pas à sa place. À sa place, je me ferais pas confiance. Frère, là, si à tout moment, les gars, je me barre. À tout moment, je me barre. Attendez, les gars. What? Attends, maintenant, j'ai un Titanic, maintenant. Attends, mais il est parti où? Reviens là, reviens là. Wesh. Attends, c'est mon premier Titanic, les gars. Wesh, c'est mon premier Titanic, niveau 1. Attends, mais... Tu viens de le pack maintenant? De le pack à l'instant? Attends, mais il l'a pack quand? Il est niveau 1. Non, hier soir vers minuit. Putain, les gars, attends, c'est mon premier Titanic, les gars. Titanic Black Hole Angelus. Bon, les gars, j'ai mon jeu en anglais. Il y en a 132 dans le monde. D'ailleurs, tout à l'heure, les gars, j'ai vu quelqu'un qui a packé un rainbow. Je l'ai vu sur Twitter. Et d'ailleurs, regardez un autre truc rigolo. Mais regardez, Shin, les gars, il se fait manger par ses pets. Regardez, tous les pets de Shin, ils sont en train de le manger. Et donc là, les gars. Mon premier Titanic. Putain, Emilien, quel BG. Il a dit en plus qu'il me le donnait pour toute la vie. Non, je rigole, je rigole. Donc là, regardez, tu tournes comme ça. Et donc là, attends, normalement, je peux voler, il a dit. Wesh, what the fuck.
Let's go, baby! Voilà! Wesh, c'est une dinguerie, frère! Wouh! Oui! Wouh! Mec, what the fuck? Wouhou, oui! Et c'est pas ça le pire aussi, les gars. Enfin, si, c'est peut-être ça le pire. Mais il a aussi pas que l'overboard, celui-là, les gars. Bon, moi, les gars, j'ai le top 100 et le top 10 overboard. Mais il y a aussi celui-là, le Bling Overboard, thanks for the support. En gros, quand tu supportes le jeu, les gars, eh bien, tu gagnes cet overboard. Et donc, j'aimerais bien qu'il nous explique comment il l'a eu. J'ai les screens, j'étais dans le Trading Plaza avec des Russes et j'ai failli crier dans toute ma maison. Pas mal, les bzz. Attends, je vais envoyer un snap à mon meilleur pote, les gars, il va câbler. Attends, je vais faire une photo. Ok, les gars, on va s'ouvrir des petits cadeaux Glitch. Donc, vous savez, la nouvelle machine juste là, Glitch Computer. Il vous faut 500 pour créer un cadeau. Cela, il donne 100 points, cela, 20 points, 5 points et 1 point. Et je crois qu'il y en a des mythiques qui donnent 500 points. En tout cas, bref, c'est parti. On va s'en ouvrir quelques-uns. Bon, apparemment, le rat, il a quelques cadeaux à ouvrir aussi. Donc, c'est parti. On va voir s'il va avoir des trucs pas mal. Wesh. Ah oui, il a tout ouvert d'un coup. Ah, lui, il perd pas son... Oh, il a eu la clé USB. Oh, il en a eu deux. Je sais pas à quoi ça sert, les gars, mais il a eu deux clés USB. Et moi, je vais aussi ouvrir les cadeaux. J'en ai un juste là. Allez, un petit huge. Oh, OMG, OMG, what the fuck, OMG, 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 what the fuck, GG, what the fuck, what the fuck, let's go, purée, merci Phoenix là, let's go les gars, non le pauvre, le rat il a ouvert 9 cadeaux devant moi les gars, il a rien eu, et moi j'en ouvre un seul, j'ai eu le huge, purée, il y en a combien attendez? Il y en a 600 dans le monde. Ah, ça veut dire qu'il n'est pas ultra rare non plus. Et il vaut 380 millions quand même. Oh, purée, c'est incroyable. Il est trop beau, il est vraiment magnifique. Bon bah, let's go les gars. Let's go, je suis trop content. Je suis trop content. Let's go. Oh les gars, merde, mon micro il était coupé, je suis désolé. Oh mon micro il était coupé, let's go, purée, enfin les gars. Oh, pour vous résumer, je viens de dépenser 30 millions, oui vous rêvez pas, 30 millions de diamants dans des œufs. Et au lieu de vous faire la partie 3 les gars, j'étais en train d'ouvrir des œufs moi-même, tu vois. J'ouvrais des petits œufs tranquilles et j'achetais des œufs. Et je les pack enfin les gars. Purée, j'aurais dû record. En fait, j'hésitais à filmer parce que je me suis dit, je vais jamais la voir, les gars. J'ai fait déjà deux vidéos, je l'ai pas eu. Donc, je me suis dit, j'ai pas besoin de filmer, frère. Mais du coup, bah, j'aurais dû filmer, en fait. Purée. En plus, les gars, il y avait un mec avec 50 Titanic qui m'a saoulé parce que j'étais en train d'ouvrir mes œufs, tu vois. Et le mec, avec ses gros Titanic qui prenaient toute la place, il est venu juste au milieu. Et il était au milieu, frère, avec sous ses gros Titanic, et on voyait plus rien. En fait, il cachait tout le paysage, et on voyait rien du tout, frère. On voyait plus rien, et il a tout gâché. Et le dragon, les gars, je l'ai vu apparaître par là, en tout petit, juste là. Et il y avait 5 Titanic à côté qui me gâchaient la vue. Donc il m'a un peu saoulé, mais on l'a eu quand même. Et du coup, bah, j'ai essayé de vous filmer le plus vite possible. Heureusement, les gars, vous avez vu l'écran ici, là, à peu près, avec le dragon qui est apparu. Mais vous avez pas vu quand le dragon est à spawn. Mais moi je l'ai vu de mes propres yeux et je suis trop content. C'était le huge que je cherchais le plus depuis ces derniers jours. Parce que tout le monde le pack les gars. Et moi je l'ai jamais pack. Et enfin je l'ai, enfin. Donc il y en a 862 les gars, niveau 1. Il y en a 200 millions de diamants. Et voilà quoi, je suis trop content. Je suis trop content. Les gars, cette vidéo, vous avez intérêt de tous liker. Parce que c'est la meilleure vidéo de l'année. Il y a un Titanic, il y a deux huge, enfin laisse tomber les gars. Ok les gars, c'est parti pour la nouvelle mise à jour. Updating now, let's go. On est le 27-04, 18h les gars, tranquillou bilou. Donc j'ai essayé de rush les gars le niveau 27. Malheureusement je suis à peu près à la moitié. On va voir si en 40 minutes j'ai le temps de le faire. Parce que vous le savez, mais les hype eggs, ils arrivent en général 40 minutes après la mise à jour. Et donc si t'as le temps de jouer un petit peu, tu peux monter un niveau pour essayer d'avoir un œuf gratuit en plus. Donc c'est plutôt cool en général. En tout cas, on attend que ça lance. Et puis en attendant, on va se balader un petit peu.
Je vais récupérer des petits diamants, tout ça. Oh, il y a un coffre juste là. Enfin voilà les gars, pour l'instant je vais me balader. Et puis dès qu'il y a la mise à jour, on va commencer à faire le nouveau contenu. Je sais pas trop ce qu'il y a honnêtement, je me suis pas trop spoil. Pour une fois, je me suis pas spoil. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans la mise à jour. En tout cas, n'hésitez pas, évidemment les gars, avant que la vidéo commence, à liker, à vous abonner, tout le tralala. Et puis surtout aussi, à regarder la vidéo jusqu'au bout, je sais que c'est très important. Il y a plein de petits filous d'entre vous les gars qui juste participent au concours, parce que je fais des concours tous les jours. Et il y en a juste qui participent au concours et après ils partent de la vidéo. Mais ça les gars, c'est vraiment pas cool, parce que déjà moi, ça me nique un peu mon watch time. Et en plus de ça, bah c'est pas bien, tu vois, tu viens juste pour participer à un concours et après tu regardes même pas la vidéo. C'est vraiment pas gentil. Donc voilà, je compte sur vous les gars. N'hésitez pas à regarder la vidéo et au moins la faire tourner en fond, tu vois. Si jamais vous avez pas trop le temps, vous la faites tourner en fond les gars, sur votre téléphone, sur votre écran. Et puis en même temps vous allez jouer à Brawl Stars, etc, etc quoi. La vie classique. Hop, on va récupérer un petit peu des petits diamants. C'est cool parce que la route je l'avais même pas faite tout à l'heure. Je l'avais même pas faite. Donc comme ça je la fais vite fait. Hop. Bon, ça n'a toujours pas lancé par contre. C'est un peu long. Mais normalement ça devrait arriver bientôt. En général 3-4 minutes c'est bon. 5 minutes des fois maximum. Hop. D'ailleurs, je me suis fait un petit preset, attendez. Je me suis fait un petit preset de livre. C'est lequel? C'est celui-là. Hop, je me suis fait un petit preset, les gars, avec plein de dégâts, plein de coins, etc. Pour pouvoir bien farmer. Oh, c'est parti. Nice. Enfin. We are restarting now. C'est parti. Attention. Ça charge. Alors, stay online. Ah non, c'est même pas 40 minutes, c'est une heure. Faut jouer pendant une heure. Et ça reste un jour entier. Ok. Bon bah les gars, c'est parti. On baille la prochaine area. Let's go. Et bah on a un rebirth. Bah on va le faire direct les gars. Ultimate speed, ultimate recharge, 30% faster. Ok, ça c'est cool. Huge earn 20% more XP, ok. Les huge ils gagnent plus XP. On gagne plein de rewards. Les ultimates ils gagnent plus XP aussi. Et les pets plus forts. Bah c'est parti hein les gars. C'est parti. On espère que ça va pas trop bugger. Comme d'habitude. Oh what the f... Oh. Attendez, je viens de voir un truc là. Alors déjà rebirth numéro 7. Rebirth 7. Qu'est-ce qu'on gagne comme récompense? En général, les récompenses, elles sont un peu pourries. Ouais, elles sont pas ouf. Ok, bah c'est parti, les gars. Et par contre, regardez-moi ça. What the... Oh, j'avais prévu de ne pas mettre d'argent dans le jeu, les gars. Si vous voulez tout savoir, j'avais prévu de ne pas mettre d'argent dans le jeu. Et bah... On va peut-être négocier, là, parce que... New item. Donc, l'exclusif Black Hole Egg. Le Shiny Supercharge. Increase the strength of your shiny pets. Ok, ça améliore la force de vos pets shiny. C'est pas ouf en vrai. Nightmare. Ok, stress stylé. Un ultimate. Et mini chest fortune. Mini chest, il vous donne deux fois plus d'items. Ouais, c'est pas ouf non plus en vrai. Chance for Titanic and Rich Cat. Mais non. Mais non, ils ont mis des... Wouah. Ils ont mis le Rich Cat en Titanic maintenant. Ils sont malades, wesh. Et donc on a quoi? On a tout ça. On a pas de nouveaux trucs. Ok. Ok les gars. Et bah c'est parti. On commence tout de suite. Est-ce que j'aurais pas la petite daycare moi? Malheureusement on n'a pas la daycare. On a reçu quelques cadeaux. On va regarder ça ensemble. Vidéo opening 10 000. Ok. Pour les abonnés. Ok. Et des comètes. Bon malheureusement je vais pas pouvoir envoyer tes livres pour les abonnés. Parce que je ne fais pas gagner des cadeaux comme ça aux abonnés. Je fais gagner des pets exclusifs etc. Donc désolé mon gars. Mais je vais pas donner tes petits livres à un abonné. Si tu veux que je te rende tes livres, y a pas de souci, je te les rends. Mais ça sera pas pour un giveaway. Ok, on continue, c'est parti. Go. Par contre, y a plein de gens qui ont le Titanic, là, c'est incroyable. On continue.
D'ailleurs, attendez, j'ai envie de voir un truc. Alors, le clan. Est-ce qu'il y a une nouvelle battle? Ah ouais, le Bubble Battle. Eh, elle est plutôt cool, la Bubble Battle. Très stylé, très stylé. Et donc, c'est quoi le but de la battle? Create the most glitch gift. Oh, j'ai pas compris, hein. Faut créer des gifts glitchés. Est-ce que c'est pas le truc des quests, justement? Est-ce qu'il y a des nouvelles masteries? J'ai pas l'impression, non. Ah, gift, attends. Gift Mastery? Ah, j'en ai aucune idée, les gars. Vous me direz si Gift Mastery c'est nouveau ou pas. Ça m'a l'air d'être nouveau. Ça m'a l'air d'être nouveau. Ok, bref. On arrête de parler. On avance. Je vais me prendre des petites potions aussi. On va mettre Damage, Lucky, Diamant, Treasure Hunter, Coin. Bon, je mets un peu tout et n'importe quoi, mais pourquoi pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Go, go, go. Hop. Plus vite, plus vite, plus vite. Donc là, il faut vraiment qu'on aille vite dans la nouvelle zone. Enfin, les nouvelles zones même. Parce qu'on s'en fout un peu de tout ça. Là, on connaît, les gars. On connaît, c'est pas très intéressant. Boum. Allez, on continue. Vite, 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 vite. Oh, c'est cool, on peut traverser les murs maintenant. On peut traverser les murs. Hop, zone suivante. Ok, ça continue, ça continue. Normalement, les gars, jusqu'à la dernière zone, on devrait aller assez vite. Normalement, jusqu'à la dernière zone, ça devrait aller vite. Hop. Là, on a un joli petit coffre. Boum. J'ai toujours pas fini ma quête, ok. Vous savez que ça fait depuis ultra longtemps que je l'ai toujours pas fini, la quête. Hop. Allez, allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Parfait. Truc suivant. Ah ouais, Gift Mastery. Ouais, je pense que Gift Mastery, c'est nouveau, les gars. Je pense que c'est nouveau. Vous me direz, mais je pense oui. Hop. Donc là, on est au Rebirth de d'habitude. Bon, par contre, les gars, me tradez pas maintenant, s'il vous plaît. On est en train de tryhard. Allez, 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 pop, 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 pop. Enfin, en vrai, les Rebirths, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un peu nul. En fait, ça te rajoute un petit peu de contenu dans le jeu. C'est cool, je vois pas le problème. Mais je trouve ça un peu pourri en fait. Parce que déjà les rebirths sont trop simples dans ce jeu. Bah, honnêtement dans ce jeu les gars, le rebirth est trop trop simple. Alors que normalement, dans tous les jeux Roblox, pour ceux qui connaissent Roblox, un rebirth c'est censé être quelque chose quand tu redémarres de zéro, tu vois. Sauf que là, le seul truc qu'on redémarre de zéro les gars, bah c'est les zones en fait. Donc c'est pour ça que les rebirths dans ce jeu sont pas... C'est pas des vrais rebirths et ils sont un peu trop simples. Donc je vois pas l'intérêt en fait, à part te faire perdre du temps. Parce que là les gars, je vais juste perdre 10 minutes à revenir dans la zone tout là-bas. Mais sinon en fait, je vais rien perdre en vrai. Je vais rien perdre les gars. C'est trop rapide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais en tout cas, voilà moi ce que j'en pense. Allez, on continue. Ça commence à devenir compliqué. Pour l'instant ça va en vrai. Vous savez les gars, d'habitude je fais mes vidéos avec Blouds. D'habitude je fais les vidéos avec Blouds pour les mises à jour, mais là aujourd'hui il a l'air de pas être là. Il m'a envoyé un message les gars, je vais répondre à son message. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit non désolé. Ah bah les gars, malheureusement on ne pourra pas faire la mise à jour avec lui. Mais bon c'est pas grave, on est avec Ninou, on est avec Coco Pops, on est avec Shint, avec Tawa, avec Petsim, c'est Noam je crois. Donc pourquoi pas. Non par contre, je viens de faire une quête là ou quoi? Non, bizarre. Bizarre, bizarre. Zone 139, quest unlock. Complete the quest for the reward. Si, regarde, je vous jure, les gars, j'ai fait une quest. Elle est où ma quest? Normalement, tu sais, il y a des trucs qui apparaissent. Bon, c'est bizarre. Bizarre, bizarre. Ok, on continue. On arrive dans les zones les plus intéressantes. Avec la machine à sous et tout. Enfin, la machine à pince, c'est pareil. Allez, 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 plus vite. En vrai les gars, ça c'est toujours le moment chiant de la vidéo. C'est tout le temps les moments chiants de la vidéo. Tu sais que c'est chiant mais t'as pas le choix. T'es obligé. On doit tous passer par là. On doit tous passer par là. Go 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 go. Ok, zone suivante. D'ailleurs ce qu'on va faire les gars, c'est que d'habitude dans les vidéos de mise à jour, j'aime bien découvrir les zones deux fois. Vous savez, la première fois je découvre la zone en l'achetant. Et après, une deuxième fois, les gars, je redécouvre la zone pendant qu'on la visite, la map.
Bah vous savez quoi, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux en un. Dès qu'on va acheter une nouvelle zone de la mise à jour, les gars, on va la visiter tous ensemble. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Ça évite de perdre notre temps à visiter la map 4 fois. Ok, on continue. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est censé être la dernière vidéo. Pardon, pas vidéo. La dernière mise à jour, je crois. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'ai des bêtises. Mais je crois que c'est la dernière mise à jour avant le monde numéro 3. Ou alors avant un truc comme ça. Ok, on est bientôt au bout, je reconnais. Je reconnais. Oula, mes pets, waouh, il y a eu un bug de zinzin là. Il y a eu un méga bug. Plus vite. Boum. Encore. Oula, ça commence à être long là. Waouh. Ça commence à être très long. Hop, vous savez ce qu'on va faire? Je vais poser mes pets ici. Je vais poser mes petits pets. Et je vais aller vite fait faire une quête très rapide, les gars. Regardez. C'est la quête des rainbows. Boum. Il faut 100 rainbow, donc je vais en faire un peu plus de 100. Voilà. Comme ça, les gars, au moins. Ah non, ça a pas marché. Ah, mais oui, parce que. Oh, moi, c'est vas-y. Parce qu'en fait, c'est pas mon best pet. Oh non. Oh là là. La catastrophe. Parce qu'en gros, les gars. En gros. Comme là, comme je suis dans les autres zones. Eh bien mon best pet, c'est pas celui-là. En gros, c'est pas mes best pets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon best pet, c'est plus le meilleur vu que je suis pas encore dans la zone maximale. Je pense que vous avez compris. Du coup, c'est pour ça que je peux pas faire la quête. Mais ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Ok, on continue. Boum. Allez. Parfait. Shiny Black Hole Immortus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un huge ou un titanic, je crois. Non, je crois que c'est juste un pet normal. Ça m'a fait peur, je me suis dit ça hatch déjà des huge, ça va pas le faire. Moi aussi je veux hatch des huge. Je crois d'ailleurs je n'ai jamais eu de huge. Ouais, c'est même pas je crois en vrai, c'est réel les gars. J'ai jamais eu de huge. Attends, par contre, je peux pas manger de fruits ou quoi? Ah, c'est bugué je crois. Oh non, les fruits sont buggés, mais sérieux. Waouh. Bon bah les fruits sont buggés. Je peux en manger que 27 en plus. Normalement c'est 30 les fruits. Ok, bref, on s'en fout. On est arrivé du coup dans la zone du Rebirth. Enfin. Alors c'est parti. On achète la première zone les gars. Oh, j'ai eu un item bizarre, je vous promets. Attendez. What? J'ai eu quoi? C'était pas un enchant. C'était un item les gars. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Il est là. Basic glitch core can be combined using the glitch computer. Ah, pour faire des... Ah oui, ok. C'est pour les cadeaux glitch les gars. Donc c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ok, nouvelle zone. Ok, elle a l'air plutôt cool. Bon, il n'y a rien d'intéressant en réalité ici, mais... Ok, zone suivante. D'ailleurs, il faut bien regarder à chaque fois qu'on ne loupe pas de trucs. Mais du coup, là, ouais, on n'avait rien loupé. On continue pour la zone là. Donc, Area Surge. Start un Area Surge. Vas-y, pourquoi pas. Ça sert à quoi? Bah, on sait même pas à quoi ça sert. Bon, je sais pas, les gars. Ah, c'est là. Area Surge. 5 fois de coin reward. Ok. Ça sert à quoi? C'est juste pour avoir plus de coins, c'est ça? Bon, je sais pas si c'est vraiment très utile, mais... Pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? Ok, du coup, bah, on va rester ici, vu qu'il y a plus de coins. On va rester ici si on gagne plus de coins. Ah, par contre, là, ça commence à être chaud en termes de... Ah, ouais. On va avancer, en fait. Du coup là on a quoi? Une petite zone sympa, holographique. Ok, pourquoi pas. Là on a un petit bundle. On va aller prendre des nouveaux œufs, bien sûr. On va aller prendre des petits nouveaux œufs.
Alors, où est-ce qu'ils sont? Ok, le meilleur est là. Donc les gars, les œufs, on va les découvrir après, ne vous en faites pas. Là, c'est juste... Wow, stylé. Là, c'est juste pour qu'on puisse acheter plus vite les nouvelles zones. Hop. C'est parti. On peut buy directement la prochaine. On peut aussi s'acheter, hop, des petits enchantements. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Ici, il y a un power-up. Ok, on l'achète. 3% d'items drop. Ok, très bien. Moi, j'aime beaucoup les items drop, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'aime beaucoup. Ok, on a une sorte de château violet. Très stylé. Je pense qu'on va acheter la prochaine zone et on va aller retrouver des petits œufs après. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Encore, 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 encore. Et nice. Ok, zone suivante. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette zone? Je crois qu'il n'y a rien. Ouais, cette zone est vide. Donc on va aller acheter des œufs. On va aller acheter d'autres petits œufs. Hop. Et du coup, c'est lesquels les nouveaux? C'est ceux-là. Ok, c'est parti. On en prend quelques-uns. On essaye de pas trop se spoil. Boum. Et on retourne là-bas. Et bye. Ok, zone d'après. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs dans cette zone? Putain, c'est dommage parce qu'à chaque fois je dois venir et regarder à chaque fois. Oh, on a eu un légendaire. Glitchcore légendaire. Pas mal. Ok, on continue ici. Avec des free potions. D'ailleurs, je pensais que c'était buggé, mais en fait, ça se récupère tout seul, les gars. Avec la Mastery 80 ou 70. Je ne sais plus laquelle. Ça se récupère tout seul, donc c'est normal. Oh, il y a une shiny relique là. Mais les shiny reliques, je les fais toujours hors vidéo, les gars. Je les fais toujours hors vidéo, les shiny reliques. Parce que c'est mieux, comme ça. Allez, 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 plus vite. C'est long, c'est long, c'est long. Ok, prochaine zone. Et on va aller s'acheter un œuf. Hop. Du coup, on en est à laquelle? On en est à 186. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on continue. On va se prendre des petits œufs. Juste ici. Boum. Ok, stylé. Bon, on les découvrira après les œufs comme d'habitude. Mais j'avoue que là, le peu d'œufs qu'on voit, ils sont plutôt cool. Plutôt, plutôt cool. Ok, zone suivante, c'est parti. Ok, ici, est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Non, j'ai pas l'impression. Ici, on a un nouveau mini-jeu qui s'appelle le Hacker Hobby. Est-ce qu'on le fait maintenant? Vous savez qu'on va le faire maintenant, en vrai. C'est quoi? Pourquoi pas? On va le faire maintenant, les gars. Alors, Hide from the Titanic Police Cat. Ok. Ah bah d'accord, je suis tombé. Ok, donc il faut, j'imagine, ne pas toucher le rouge et ne pas tomber dans le sol. C'est parti. Go, go, run, run, run. Vite, vite, vite. Est-ce qu'il y a un Titanic qui me suit ou pas? Ouah, mec, c'est trop dur par contre. Non mais les gars, il est trop dur ce jeu. Ok, dernière chance les gars, et j'abandonne après. Non, non, j'abandonne pas en vrai. J'abandonne pas, on est fou ou quoi? On n'abandonne pas ici. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. J'ai vraiment pas envie de perdre parce que sinon, les gars, ça va me saouler. Hop. Allez, 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 allez. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Nice. Ok, bon, il était pas trop dur en vrai le mini-jeu. Je m'attendais à pire, je m'attendais à pire. Et j'ai pas trouvé le coffre. En général, il y a des coffres dans les mini-jeux. Là, il y en avait peut-être pas. Ok, j'ai une reward aussi. Parfait, si on peut faire des quêtes ça me dérange pas. C'est très bien. Allez, on va acheter la zone suivante. Et après on va aller chercher des nouveaux œufs. Hop. Ok, parfait, on a un nouveau power up. Pour aller, ah non, les ultimes XP. Ouais, ok, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est parti. Nouveaux œufs les gars, j'ai l'impression qu'on peut acheter 3 zones à chaque fois. On peut acheter que 3 zones. Boum. Ah, ceux-là c'est les plus beaux. C'est les glitch cats. Ils sont très très stylés ceux-là. Très très stylés. Hop, c'est parti. On achète la prochaine zone. Et on y va. Alors c'est par là-bas, mince, je vais me tromper. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Des fruits, ok. Pourquoi pas. C'est très bien les fruits. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ok, on continue. Ici on a rien. En vrai, est-ce que vous pensez, vous trouvez ça dommage les gars qu'il y a certaines zones qui soient vides ou pas? Ou alors vous auriez préféré que toutes les zones soient remplies? En vrai, je sais pas. C'est bien aussi. Ça dépend. En fait, sinon, il y aurait peut-être trop de contenu. Il y aurait trop de contenu, les gars, je pense. Là, c'est bien qu'il n'y ait pas trop de contenu.
Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Go, 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 go. On va s'acheter la zone 25 et après on va retourner. Enfin, la zone 193 plutôt. Et on va retourner acheter les œufs. Hop. Du coup, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Je me demande, il y a combien de zones? Il devrait y en avoir 200 à peu près. Ouais, une petite 200aine. Oh là, on a réussi à acheter 4 zones. C'est-à-dire, j'ai charbonné. Ouais, ils sont gros les glitchettes de Dominus truc. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, bye. C'est parti. Du coup, on en est là. Boum, boum, boum. Ah, on pouvait pas l'acheter. En vrai, les zones, elles sont plutôt sympas, mais... Voilà, sans plus. Oh, on a un coffre de fou. Là, il y a des diamants aussi. Ok, pourquoi pas. Est-ce que le coffre de fou, on va réussir à le taper? Ah, j'ai pas l'impression. On va aller chercher des meilleurs pets. On va aller chercher des meilleurs pets pour le taper, le coffre. Parce qu'il a l'air plutôt solide. Il a l'air plutôt costaud, le coffre. Allez. Je sais pas, j'ai eu lequel, là. Il nous faudrait un tigre ou un mec avec deux yeux roses en shiny. Ok, je crois que c'est bien. Ok, je crois qu'on a réussi. Est-ce qu'on a réussi à casser le coffre alors? Suspense. Eh oui, 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 oui. J'ai réussi à casser le coffre. Bon, c'est dommage, on n'a pas vu l'animation, mais bon. Est-ce que c'est vraiment important? Je ne crois pas. Ok, zone suivante. On est bientôt à la fin, je pense. Zone suivante. Allez, allez, allez. Bon, vaut mieux casser à la main, en vrai. Ok. Donc là, on arrive bientôt à la dernière, je pense. Là, on a quoi? Des diamants en plus. Ok, j'achète. Et là, on a quoi en bas? Ah bah, c'est la dernière. Dernière zone, les gars. C'est parti. Ah, mais vous savez quoi? On a même pas besoin d'acheter, attendez. Même pas besoin. Même pas besoin. On va retourner direct là-bas. Go, go, go. Ok, parfait. J'ai cru qu'on avait besoin de prendre un meilleur pet, mais au final, on a même pas besoin. Parce que ça va plutôt vite. Hop. C'est parti. Et on achète la dernière zone, les gars. Attention, suspense. Et voilà les gars, la dernière zone de Pet Simulator. Oh là là, avec un méga méga void. Franchement, très cool, très très cool. Et là, vous savez ce qu'on va faire les gars? On va s'ouvrir des petits pets. On va aller s'ouvrir... Oh, il y a un glitch ordinateur. Attendez, comment ça marche? Ah, il en faut 500. 500 pour un cadeau. Ok, ça donne 100 points, 5 points. Ok, très bien en vrai. Et il y a Blouds qui nous a rejoint. Il avait dit, ouais, au final, je vais pas jouer et tout. Bah, il est là, le collègue. Alors, attendez. On va aller vite fait prendre les meilleurs pets pour les mettre dans ma daycare. Hop. On va en acheter quelques-uns. Boum. Oh, ils sont stylés. Donc ça, c'est les derniers pets de tous les temps. On va s'en ouvrir quelques-uns. Hop. Pour que je puisse les mettre dans la daycare. Boum, boum, boum. Ok, encore, encore. Boum. Et du coup, c'est parti. On va les mettre juste ici, dans ma petite daycare. Je vais me mettre ceux-là, vous savez quoi. C'est déjà bien pour commencer. Hop. Et les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais farmer les pets de mon côté. Et puis, je vais vous retrouver plus tard pour qu'on pigeonne la boutique, les gars. Pour qu'on ouvre les hype eggs. Pour que j'achète plein de trucs dans la boutique, etc. Et on va aussi découvrir les nouveaux pets, les nouveaux œufs. Donc on va faire tout ça après. Mais moi en attendant les gars, je vais farmer un petit peu. Ok les gars, c'est parti pour ouvrir tous les nouveaux pets. Donc on a de 187 juste là. Toute la ligne jusqu'au bout. Jusqu'à 212 à ouvrir. Du coup c'est parti. Et avant, regardez les gars, le petit overboard incroyable que j'ai. Du top 10 mondial. Et j'ai aussi l'overboard du top 100 mondial. C'est logique vu que j'ai été top 10. Donc voilà, je vous avais fait un post communautaire si vous voulez aller voir. Et puis voilà, c'est trop stylé. Du coup c'est parti pour les nouveaux pets. Alors du coup la dernière fois on était ici avec les petits Dominus etc qui sont plutôt stylés. Et donc ici les gars, on a... Ouais ils sont trop stylés. Par contre attends, je suis pas en plein écran, je viens de remarquer les gars, désolé. Du coup on a des Dominus comme ça, très stylés. Oh ils sont trop beaux. Alors attendez par contre... Non. Merde. Attendez. Faut que je désactive l'auto-hatch, parce que sinon c'est trop relou. Ok, on reprend, on reprend. Désolé les gars, on reprend. Du coup, on avait un Dominus un peu serpent bizarre, et un Dominus gladiateur un peu. Franchement, ils sont très stylés. On continue avec un petit chat et un petit chien.
holographique bleu un petit peu bizarre. T'es incroyable. Trop bien, trop bien. Ici, on a un petit ours, pareil. Dans le même style. Ok, très cool. Alors attendez, avant d'ouvrir, on a un petit singe et un petit axolote, pareil. What the fuck? Mais des œufs, ils sont invisibles. C'est quoi? Regarde, mais c'est quoi ces œufs de fou? Mais wesh. Les œufs, ils sont invisibles, ok, pourquoi pas. Là, on a un petit dragon en plus. Ok, je l'ai déjà. J'avais dû l'ouvrir pendant que je faisais la route dans les rebirths, etc. On continue avec un petit dauphin et un requin. Ok, c'est parti. Mais eux, ils sont pas dans le même style, par contre. Avec ici un petit kraken noir, très stylé. Mais là, c'est plus très robot, par contre. Ouais, ils ont fait un petit thème un peu Bowser. Ici, ils ont rajouté un dragon. Ok, mais un dragon très basique, par contre. Très, très basique. Là, il y a un taureau et un léopard. Ok, avec des yeux rouges bien vénères. Très cool, très cool. Est-ce que je l'ai eu, le léopard? 13% de chance. Ah, ok, là, on l'a eu, je pense. Nice, nice. On continue avec un Dominus et une sorte de truc bizarre. Je sais même pas ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Bon, je l'ai pas eu, attendez. 1% de chance. Il est où, il est où? Ah, je l'ai eu, non? Je crois qu'on l'a eu. Mais mes yeux, là, je suis un peu fatigué, j'arrive même pas à voir. Mais je crois qu'on l'a eu. On continue avec... Ouais, je sais quoi ce truc? Une sorte d'axolote bizarre, robotique, grise. Ah, mais c'est vraiment un axolote en plus. Ok, pourquoi pas. Ici, on a un glitch, truc vert bizarre. Je sais même pas ce que c'est. C'est un alligator, apparemment. Ok, pourquoi pas. Il est très bizarre. Ici, on a un truc bizarre. Une sorte de... C'est quoi? C'est un raccoon? Non, il est bizarre, votre raccoon. Ici, ah bah justement, on a le Pets Huge 404. Très stylé, très stylé. Il y a même un abonné qui me l'avait envoyé. Je pense que tu verras peut-être cette vidéo. Et il m'avait dit, tiens, un fake huge. Ici, on a le Glitch Cat et le Glitch Dog. Alors, eux, ils sont incroyables. Eux, c'est mes pets préférés de toute l'année. Ici, on a pareil, mais en dragon et en Dominus. Pourquoi pas, ok. Nice, très stylé. Ensuite, un petit faucon et une sorte de cheval, j'ai l'impression. Ok, très bien. On les a eu. Ah non, j'ai pas eu le faucon. J'ai pas eu le faucon, attendez. Est-ce que là, je l'ai eu? Toujours pas. J'abandonne pas. Bon, je crois qu'on l'a pas, mais c'est pas grave parce qu'il est ici à 39% avec un Empyrean bizarre vert. Très stylé. Ok, ok. On continue ici avec un Ptérodactyle et un Dominus glitché. Ok. En vrai, j'aime bien. Franchement, j'aime bien les nouveaux œufs. Ils sont très stylés. Ici, on a des trucs blancs comme ça, bizarres. Je sais même pas ce que c'est. C'est des aliens, en tout cas, on dirait. Pourquoi pas. Ici, on a, pareil, d'autres aliens avec un tigre. Ok, pourquoi pas. Ils sont stylés. Il nous faudrait le tigre à 1%. Ok, je crois qu'on l'a eu. GG. Ensuite, ici, on a un alien vert et... ce truc bizarre avec des gros yeux rouges. Ah bah on l'a eu, le Quantum Dominus. Ok, pourquoi pas. Ici on a un axolote et un singe, mais en mode planétaire, particule. Très cool, très cool. L'avant-dernier c'est avec le chien et le chat holographique qui sont aussi présents dans le dernier œuf, donc c'est cool. Et les gars, le dernier œuf, on a le chien, le chat, on a le Void Alien, on a aussi le. Une sorte d'Angelus mais dark. Et l'Active Huge évidemment. D'ailleurs j'ai envie de vous montrer, mais regardez. Le Void Alien, j'en ai 79 rainbow les gars. Parce que j'ai rush le top 10 mondial. Donc c'est pour ça. Ok. Très très stylé. Bah du coup les gars, il me manquera plus que ça et ça. Stylé stylé. Bon voilà les gars, c'était tout pour les petits pets.